Good morning, allez, Yiden, les tutres aujourd'hui, le Lénishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que Dirfuat Sarah Bat Betty Rivka Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi vous dire une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous débutons aujourd'hui le 9e Perek de Menachot, Perek Tet Mishnah Aleph. Shtei Midot Shel Yavesh Hayu Bamikdash, Isaron Vachatzi Isaron. Rabbi Meir Omer, Isaron, Isaron, Vachati Isaron, Isaron me hayam shamesh, Shebo yam oded le kol amenachot, lo hayam oded lo beshel shlosh al apar, velo beshel shnaim la ail, elam odedan esronot, Chati Isaron me hayam shamesh, Shebo yam oded chavite kon yodol mechza baboker, mechza ben ha-arbaim. On traduit directement la Mishnah, Shtei midot shel yavesh hayu bamigdash, il y avait deux sorte de mesure au Bet Amikdash. Une qui s'appelait le Isaron, une mesure de un Isaron, le Asiri Taefa, et l'autre Chatsi Isaron, un demi-Isaron. Comme si on disait, on pourrait dire à notre époque, un kilo et un demi-kilo. On mesurait tout avec un kilo et un demi-kilo. Comme on va voir ensuite, même lorsque parfois il va falloir apporter trois Isaron, trois mesures, il n'y aura pas une mesure, un poids ou une mesure de contenance qui va faire trois Isaron, non, tu vas mesurer trois fois un Isaron. D'accord ? Tout est déduit de Psukim. Mais d'abord, j'explique un petit peu mieux de quoi on parle. C'est quoi une Mida Shel Yavesh ? Une mesure de produits secs. Il y a, au Bet Amikdash, on a porté, à part les korbanot, les sacrifices des animaux, on a porté aussi des oblations de blé, de semoule, et il fallait dedans mélanger de l'huile, on a porté aussi du vin. Comme on le dit à Rosh Chodesh dans le Moussaf, Shlosha esronim la par, ou Shnei esronim la ha'il, et en plus de ça, Veniskem chatsi ha'in, yé la par, ou Shlishit ha'in la ha'il, Urvit ha'in la keves, je ne sais plus comment c'est dit, bref. Concrètement, il y a des mesures selon le korban que tu apportes. La Torah t'a dit tu vas apporter une oblation plus grande, mélanger plus ou moins d'huile, apportant plus ça une oblation de vin plus grande, moins grande. Alors, pour mesurer le yavesh, tout ce qui était sec, en l'occurrence la semoule uniquement, pas l'huile et le vin, alors il y avait deux mesures au Bet Amikdash. Une qui s'appelait le Isaron, pour pouvoir apporter chaque oblation que tu apportes, en général, tu dois apporter un Isaron. Parfois, selon le cas, comme ce qu'on dit à Rosh Chodesh, si tu dois apporter un par, un taureau ou encore un bélier et pas un mouton, alors la Torah m'a dit tu apporteras deux ou trois Isaron. Malgré tout, pour mesurer la quantité, on utilisait une unique mesure qui s'appelait le Isaron, uniquement. D'accord ? Le Isaron, ça correspond à Asiri Taefa. Asiri Taefa, c'est selon le grand principe. Asiri Taefa, vous rappelez le Eska, Lav, Gudo, les cinq mesures essentielles, Efa, Seaka, Blok, Beta, avec les coefficients entre eux, Gudo, Gimel, Vav, Dalet, Vav, 3, 6, 4 et 6. Ouais, vous faites la multiplication, vous prenez le dixième, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais en tout cas, ça va vous faire l'équivalent de, je ne sais plus, 42 et quelques. Et concrètement, aujourd'hui, on tient pour la halakha qu'il y a eu des modifications de mesures au fil du temps, on a rajouté sur les mesures, comme on a appris plus haut dans un Perek de Menachot, dans un début de Perek de Menachot, et des modifications. Aujourd'hui, ça correspond à 43,2 Beitza. 43,2 œufs. Si on a un œuf de, je crois, 56 grammes, 54 grammes plutôt, en volume, alors vous en prenez 43 et un 43,2, et vous allez arriver à la mesure du Isaron, qui correspond en l'occurrence à notre mesure de la Chala. Pour imposer une pâte de Chala, il faut pétrir une certaine quantité de farine, et cette quantité de farine, c'est exactement ça, c'est le même Isaron aussi. Donc, à partir d'un kilo 2, il y a plusieurs marlokot dans les mesures. Un kilo à partir d'un kilo 2 pour les Sfaradim sans bracha et un kilo 666 avec bracha. Pour les Ashkenaz, ils attendent le 2,5 kg pour pouvoir prélever la bracha, 5 ou 5,5 plutôt, comme ils sont Ashkenaz, ils ne sont pas tunisiens, mais quand même. Et voilà. D'accord. Donc, pour mesurer, il y avait une seule mesure. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Meir Omer, El Chatzi Saron, on va expliquer ensuite plus dans les détails quand on arrivera à la fin de la Mishnah. C'est pour ce qu'on appelle les Chavite Kohen Gadol. Il y avait une oblation particulière au Bet Amikdash que le Kohen Gadol devait apporter tous les jours.
il fallait la séparer en deux, un petit peu le matin, un petit peu la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et alors là, il fallait, pour pouvoir séparer en deux, on va apprendre pourquoi, mais il fallait une mesure de 1/2 isaron. D'accord ? Pour pouvoir faire la moitié et l'autre moitié en même temps. On expliquera ensuite, c'est vraiment très spécial ce qui se passe, mais on laisse ça pour la suite, la Mishnah va nous expliquer justement. Rabbi Meir Omer, non, il n'y avait pas deux mesures, il y avait trois mesures. Un isaron, et une mesure de un isaron, et une mesure de un chatzi isaron. Bon, alors, chatzi isaron, on a expliqué c'est quoi. Mais c'est quoi le isaron et isaron? Deux mesures de un isaron, c'est deux mesures différentes de un isaron. On n'a plus tellement l'habitude à notre époque de mesurer, en tout cas de faire du commerce avec des volumes de... On va plus d'abord, on a des paquets fermés à notre époque, mais à l'époque, vous partiez à l'épicier et il vous donnait une livre de farine. Et comment il mesurait ça? Il avait son verre doseur où il ramassait une mesure et il savait que là, il avait une telle quantité, un tel volume ou tel volume. Maintenant, dans les mesures de volume, il y a deux types, deux manières de mesurer. Soit on va faire comme avec des cuillères rases ou cuillères bombées. Idem avec les ustensiles. Et de manière générale, lorsque vous prenez quelque chose comme ça, vous le ramassez, vous allez avoir, la mesure va être bombée. Alors, lorsque je te dis que cette cuillère a une mesure de 1 isaron, alors il faut s'intéresser ensuite à la question de savoir, quand tu me dis 1 isaron, c'est si je prends une cuillère rase, c'est un ustensile rase, une fois que j'ai retiré, je coupe, j'aplanis en haut, et là j'aurai un isaron, ou bien non, tu veux me dire que tu as un isaron lorsque tu le ramasses tel quel, même lorsque, quand il est bombé justement, tu as prévu ta mesure de la sorte que tu vas toujours la prélever, qu'elle sera toujours bombée, et seulement là elle aura la contenance. Ouais, quand on vous dit, je sais pas, dans une recette, de mettre deux cuillères de sucre, 5 cuillères de sucre, vous avez dit des cuillères rases, vous prenez une cuillère. Parce que quand vous levez, naturellement, il va y avoir une partie qui tombe. Tout ce qui reste, ça s'appelle, ça fait partie de la quantité d'une cuillère. 5 grammes ou je sais pas quoi. D'accord? Eh bien, selon Rabbi Meir, justement, il y avait deux mesures dans l'issaron. Un issaron classique qui prenait la mesure en bombée, donc l'ustensile était un peu plus petit, de manière à ce que tu calcules ce qui dépasse, que ça fait partie de la même dose d'un issaron. Et une autre cuillère, au contraire, il fallait que ce soit rase. Pour Rabbi Meir, cette raison, cette cuillère particulière, où elle était mesurée uniquement rase, alors c'était pour mesurer en fait concrètement les chavité kohen gadol, toujours. Étant donné qu'il fallait prendre cette quantité de 1 isaron et la couper en deux, vous imaginez bien, prenez quelque chose qui est bombé, une dose bombée, et essayez de la couper en deux, vous allez en faire tomber plein par terre. Donc Rabbi Meir, il nous dit, il fallait. Tout est déduit de psukim, en fait, tout d'abord. Je voulais nous préciser avant, dommage. Rabbi Meir déduit qu'il y a un passage qui me dit Isaron, Isaron, la Kevasa Echad. La Torah a insisté Isaron, 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 Isaron. Donc de là, je déduis qu'il y a deux mesures dans Isaron. Et là, Chachamim, sur un autre passage, il y a marqué Isaron, Echad, la Kevasa Echad. Un seul Isaron. Donc ça démarre à partir de Psukim. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le passage, comment on l'interprète? Alors, il y a tout ce que je vous ai expliqué, que selon Rabbi Meir, alors là, il a une allusion que la Torah a voulu distinguer deux mesures d'un Isaron. D'accord? Et selon la logique, alors il est certain que la Torah elle a voulu me dire que lorsque tu vas prendre un chavité kohen gadol, tu vas le prendre avec une mesure rase, de manière à ce que ça ne va pas déborder lorsque tu vas essayer de couper, lorsque tu vas couper la mesure en deux. D'accord? C'est simple. On continue. Isaron me'aya meshamesh. Quelle était l'utilité de cette dose de 1 isaron? Dans quelles circonstances on l'utilisait? Qu'est-ce qu'on devait mesurer? Shebo aya moded l'ekol amenochot. Avec lui, il mesurait toutes les menachot, c'est-à-dire le ayamoded lo bechel shlosha la par, lo bechel shneim la ha'il, el amodedan esronot. Il explique Rabbi Meir en nous disant, non, c'est Marc Rabbi Meir, c'est la Mishnah. La Mishnah continue en m'expliquant qu'il ne mesurait pas ni avec trois esronot pour le par. Vous savez bien, comme on dit dans le Rosh Hashanah, shlosha esronim la par, shneim esronim la ha'il, et esronot la keves. Alors, il fallait apporter 3 isaron de semoule pour pouvoir, de farine, de semoule, pour faire un par, pour faire un taureau. Est-ce qu'au Beit HaMikdash, il y avait une grosse mesure qui avait 3 fois le volume? Non. Il y avait un seul isaron et tu devais prendre 3 fois la mesure. D'accord? Ça, c'était pour le par et 2 pour le haïl. Même procédé, tu mesures 2 fois 1 isaron
et pas une fois de Yisrondot en même temps. Et là, Modedan Yisrondot, il devait toujours le mesurer avec cette même mesure de Yisrondot. Ensuite, Khati Yisaron, Mehaya Meshamesh. Cette mesure-là qui faisait un demi Yisaron, Mehaya Meshamesh, à quoi servait-elle? Dans quelles circonstances on l'utilisait? Alors, d'abord on traduit, après je vous explique tout ce qui est écrit dans le Barthénora, Tiferet Israël, Rambam. Shebo Haya Moded Chavitei Kohen Gadol. Grâce à ce demi-issaron, il mesurait les Chavitei Kohen Gadol. Comme ce qu'on avait appris. Je finis la phrase d'abord, comme ça, on a fini avec la Mishnah. Les Chavitei Kohen Gadol, ça pourrait être traduit les omelettes, en fait, c'est les fritures, la fameuse oblation du Kohen Gadol, qu'il fallait apporter Mechetza Baboker ou Mechetza Ben Armeim, qu'il fallait apporter la moitié le matin et la moitié le soir, avant, au moment où on faisait le Korban Tamid Shel Ben Armeim. Et j'explique un petit peu ce qui se passe avec le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, tous les jours, il devait apporter un Issaron. Pour ceux qui font la Breita, la même rade, la Gemara, de Abaye, Ava Omed, Ava Omed, un peu dans les Korbanotes de la Tila du matin. Alors, il y avait là-bas Abaye qui. Là-bas, on mentionne les Chavitei Kohen Gadol. Tous les jours, il fallait apporter les Chavitei Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, donc, donnait de l'argent à Beth Amikdash, il apportait de la farine, et tous les jours, il prenait une petite dose. Et on devait faire une mincha particulière, 12 pains, que la moitié, on les apporte le matin, l'autre moitié, l'après-midi. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Et la Mishnah, maintenant, semble m'enseigner que bah, tu dois apporter une mesure de un issaron, on va couper la farine en deux, on va séparer la farine en deux, tu prends la moitié, tu utilises pour le matin, et l'autre moitié, tu utilises pour l'après-midi. C'est ce que la Mishnah semble dire, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose de très original. Il fallait apporter la dose de un issaron. Ensuite, on va séparer en deux la dose de farine, et avec la moitié, on va faire 6 pains, et l'autre moitié, on va tout de suite faire 6 pains. 6 pains, on va les. Donc, ça fait au total 12 pains, c'est les 12 Chavitei Kohen Gadol. Et on les fait tous tout de suite avec le procédé, comme ce qu'on a appris, qu'il fallait les faire cuire plusieurs fois. Une première fois, on les pétrit avec de l'huile, après, on les mélange avec de l'eau chaude, et ensuite, on remélange encore, on remettait de l'huile dessus, on les faisait refrire. Et ensuite, on a 12 pains qui ont fini de cuire. On prend tous ces pains, on les coupe tous en deux. Et on va prendre, selon le Rambam, on prend la moitié de chacun des 12 pains, et on va, par ces demi-douze pains, ces 12 demi-pains plutôt, on va les prendre et on va faire l'oblation du Kohen Gadol du matin, et avec l'autre moitié, on va faire l'oblation de l'après-midi. Pour les récupérer ensuite, une fois qu'on récupère ces 12 pains, il fallait les couper. Les plier sur eux-mêmes en petits morceaux de un kazaït, et on a porté donc la moitié le matin et la moitié l'après-midi, et ça c'est selon le Rambam. Selon le Ravad, en fait non, il fallait ensuite, on fait d'abord tous les 12 pains comme ce qu'on a dit, on va tous les séparer, mais on va utiliser tout d'abord les 6 premières moitiés, les 6 doubles, les 6 paires de demi-pains, on va faire les ravitim du matin, et avec les 6 autres, on va faire celui de l'après-midi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Aslacha Kol Tov, salam.